Chérie, mets-moi les os en place. C'est toi qui m'as lancé le défi, non? Je l'ai juste relevé. Ça m'apprendra. Aïe. Ça te plaît? Ouais, mais pas plus que tout à l'heure, là. N'est-ce pas? Ah oui. Oh là là. C'est doux. C'est la dernière fois que je t'interdis de mettre en compte tes sales pattes, mon enfant. Au lieu de demander ce qui s'est passé, tu viens, tu commences à aboyer comme une chienne. Je m'en fous de ce qu'il a fait. La prochaine fois que tu mettras encore tes mains sur lui, tu sauras ce qu'il va te faire. Tu veux faire quoi? Faut donc garder tes sales bâtards chez toi pour éviter que personne ne les touche. Tu appelles les enfants de qui, bâtard? Ton clochard de mari, là, c'est un homme. Au lieu d'avoir un homme comme ça, je préfère encore de loin vivre seule. Oh, je comprends maintenant pourquoi tu as trois enfants avec trois pères différents. Tu es à la recherche de l'homme parfait. Chérie. Ouais. Tu sais, je les ai arrêtés du loyer. Ah bon? Et c'est combien de mois ça? Quelques jours, je vais arrondir 3 mois. 3 mois? Ouh là là! Et le bailleur menace de me jeter à la porte. Le bailleur? C'est pas le tétard que j'ai vu là et tout? C'est lui. Tu payes combien le mois? 40 000 au mois. 40 000? Ok, c'est bon. Ça veut dire, si je comprends bien, 40 000 fois 3, ça va dans le 120 000, c'est ça? 120 000. Ok, c'est pas un problème. Dès que je sors là, je gère le problème. Tu m'en promets? Je te promets. T'as pas confiance? Je vais te faire quelque chose d'autre, Richard. Tu vas me faire quoi? Pas le bruit que tu fais aux gens du quartier là. Essaye de me toucher, tu vas voir. Attends. Et le bruit que j'entends dehors là, c'est quoi? C'est le quotidien des quartiers compliqués. Le quotidien des quartiers compliqués? Mm-hmm. Ça me fait rire. Bon, laisse que je jette un coup d'œil. Comment ça, pourquoi? Tu connais le métier que je fais, non? Elles vont se calmer bientôt. Non, non. Donne-moi une minute, je jette un coup d'œil. Moi, je trouve pas qu'elles vont se calmer. J'arrive, d'accord? Je reviens tout de suite. Ça va? Tu viens, hein? Arrêtez, 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 arrêtez. Détective Ndiasso. Comme ça, madame, vous voulez tuer cette femme devant une foule qui vous acclame? C'est de la légitime défense. Ah, un bien gros mot pour un quartier si mal famé. Ce sont tous des assassins, chef. Ils sont tous jaloux de moi. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Qui est jaloux d'une traînée comme toi? Traînée ta mère, ta grand-mère et la sale pute de fille que toi tu es. Tu te caches derrière le mariage. Tu crois qu'on ne connaît pas ce que tu fais? Même une vieille sorcière. Bon, assez, assez. Je vous ai entendu. Allez, nous allons aller au poste. Poste de quoi? Au poste de police, bien sûr. Ouais, chef, nous aurons fait quoi au poste? C'est un problème du quartier. Est-ce qu'on vous a appelé ici? Allez, j'ai dit au poste. Chef, nous pouvons nous chef. Entendre. Chef, chef. Nous pouvons trouver une solution. Chef, vraiment, on peut aller chez moi et puis on trouve un terrain d'entente, chef. Vous, c'est qui? Je suis le mari de la dame, chef. Laquelle? Celle-ci, chef. Ah bon? L'étrangleuse? Ma femme n'est pas une étrangleuse, chef. Vous n'avez pas assisté à la scène? Et vous voulez qu'on arrange quoi? Vous croyez que je suis... je marche de maison en maison? Chef, c'est entre nous les hommes. On peut aller chez moi, on trouve un terrain d'entente. Ah bon? Ok, bon, mais si vous voulez qu'on trouve un terrain d'entente, allons à côté. Vous ne bougez pas. Voilà. Chef, vraiment, prenez ça et puis mettez le carburant, vraiment. C'est ça votre arrangement? Hey. Hein?
On vous a dit que je travaille au péage. Essayez de dire ça, chef. Vous croyez que si vous arrivez au poste, c'est ça que vous allez gérer là-bas? D'abord, je vous amène au poste, moi. Moi, je vous amène au poste. Chef, vraiment... J'ai dit, je vous amène au poste. Et vous y compris, hein. Vraiment, ne faites pas ça, chef. C'est les femmes. C'est les femmes qui nous mettent dans les pommes comme ça, la chef. Vraiment, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Mais mettez le cabrin, chef. C'est entre nous, les hommes. Et les 500, là? Je sortais, chef. Je vais prendre la moto avec. Donnez. Hein? Donnez. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. D'accord? Chef, c'est toi-même qui as du péage. Vous savez ce que ça peut leur coûter au poste?